Voilà, nous bénissons le Seigneur pour la joie de pouvoir annoncer, évidemment, le merveilleux message, donc libérateur. Et le thème aujourd'hui, c'est la guêpe. La guêpe, évidemment, vous connaissez ce qu'est une guêpe. Si vous êtes fait piquer, mon épouse tout à l'heure parlait en Polynésie, elle s'était fait piquer par donc une guêpe. Mais je me rappelle fort bien, donc en Nouvelle-Calédonie, alors que nous étions sur l'île d'Ouvéa, alors que nous allions à une réunion. Donc, on devait partir de la maison en paille où nous étions hébergés pour traverser et aller sur la route qui longeait le bel océan Pacifique. Et voilà qu'on devait passer par un endroit très étroit, même pas un mètre environ. Et là, il y avait juste à côté un essaim donc, de guêpes qui s'est jeté sur nous. Et là, on s'est liré vraiment. C'était quelque chose d'assez virulent. Bon, on n'est pas mort puisqu'on est encore là, mais ça fait mal, ça fait mal. Alors, je vais vous parler donc aujourd'hui particulièrement de la guêpe. Alors, on va aller lire un passage dans Exode chapitre 8, et la Bible parle de mouches venimeuses. Il est fort possible que ce soit des guêpes. Et on va lire juste un passage dans Exode 8, verset 16. Exode 8, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple. « Let my people go, afin qu'ils me servent. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches. » Donc des guêpes, hein, de mouches venimeuses, et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai, ça veut dire je ferai la différence, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple, et là, il n'y aura pas de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays, et j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour le privilège qui est le nôtre d'entendre la parole de Dieu, la parole du Créateur, la parole du Sauveur, la parole du Rédempteur, la parole de celui qui a écrasé totalement Satan à la croix. Nous voulons te bénir, Seigneur Jésus, pour le privilège qui est le nôtre aujourd'hui d'entendre ce que nous entendons. Seigneur, que cette parole descende profondément dans nos entrailles, que nous puissions, Seigneur, non pas entendre la voix d'un homme, mais entendre la voix du Saint-Esprit parlant au travers de la prédication. Au nom du Sauveur, nous demandons cela. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Quelqu'un un jour a dit, plus j'apprends à connaître les gens, plus je réalise pourquoi Noé a laissé entrer seulement les animaux dans l'arche. Il semblait que les animaux étaient plus intelligents que les hommes. Les animaux ont beaucoup à nous apprendre. Job en parle. Il va parler du crocodile, il va parler de l'épervier, il va parler du cheval, toutes sortes d'animaux. Aujourd'hui, nous allons parler de la guêpe. J'aimerais vous emmener par un bel après-midi d'automne. Pensez automne. Au loin, il y a une brume bleuâtre qui flotte
au niveau des montagnes, en face de vous. Et cette couleur nuageuse atténue, avec une douceur infinie, les rouges, les oranges et les verts des forêts. Il y a une sorte de bain de lumière vaporeuse, avec une atmosphère assez particulière. Il y a quelque chose de grandiose et de saisissant qui nous émeut dans cet après-midi d'automne et qui nous fait pressentir la fin d'une belle saison, la fin d'une belle chose et le dépouillement prochain total de la nature. Le sommeil de l'hiver va envahir toute cette belle nature. Bientôt, il n'y aura plus de chants d'oiseaux. Bientôt, il n'y aura plus le cri-cri des grillons, voyez, des sauterelles, mais rien qu'un silence impressionnant. L'hiver va s'installer. Et vous êtes là par ce bel après-midi. Et soudain, vous entendez un bourdonnement régulier. Et soudain, vous regardez à vos pieds, une chose étrange vient de tomber en tourbillonnant sur place, sous vos propres yeux. Comme une sorte de danse effrénée, comme une petite toupie actionnée par un petit moteur. Sous vos yeux, une course folle et très bruyante, mais qui ne dure pas très longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Une guêpe jaune et noire est cramponnée au corps d'une grosse mouche. La guêpe a sauté sur la mouche. La mouche a battu frénétiquement, je dirais, ses ailes pour essayer d'échapper à son ennemi implacable, la guêpe. Et là, il y a eu une danse bizarre. Vous ne vous attendiez pas à cela. Et voilà que cette course folle et bruyante, qui ne dure pas très longtemps, parce que tout à coup, vous remarquez qu'une aile transparente de la mouche vient d'être sectionnée. Il y a eu des torsions, des contorsions, des convulsions, et le mouvement de la toupie se ralentit. La deuxième aile de la mouche suit la première, tac, sectionnée par la guêpe. Et avec ces deux mandibules, qui sont très grosses et tranchantes, la guêpe attaque maintenant les pattes de la mouche, comme avec des ciseaux, et les coupe, les unes après les autres, à leur base. Et vous avez maintenant le corps de la mouche, qui est une masse informe, lamentable, incapable de toute défense. Maintenant, la guêpe n'a pas fini. Elle s'en prend maintenant à la tête de la mouche, aux yeux de la mouche. Et la guêpe va aller plus loin, va détacher l'abdomen de la mouche à grands coups de cisaille. Et ensuite, elle part à tire d'aile avec le reste de la mouche dans ses six pattes, dans la direction du guêpier, le nid des guêpes. Et là, la guêpe va dépecer ce morceau de chair tout frémissant, et elle va distribuer aux jeunes larves
sa proie. La rapidité de l'attaque vous a stupéfait. Et vous avez remarqué tout ce que je viens de décrire. Vous êtes stupéfait par la précision du travail de la guêpe. Sa sagesse dans les différentes phases de l'opération. Les ailes, une, deux, les pattes, l'abdomen, les yeux. Ça s'est passé tellement rapidement. La guêpe ne commence pas à attaquer en dévorant l'abdomen. Elle ne commence pas à attaquer par les pattes. Elle ne commence pas même en dévorant la tête. Non. Parce qu'un insecte peut très bien vivre un jour sans pattes. Un insecte peut bien vivre des heures sans abdomen. Un insecte peut vivre un bon moment même sans tête. Et en bondissant sur le dos de sa victime qu'elle a guettée, la guêpe a visé premièrement les ailes. Non, l'une des ailes. Et elle s'y attaquait tout de suite. Et ensuite est arrivée l'autre aile. Et ensuite, les pattes. La guêpe est un type de Satan. Féroce dans ses attaques. Il s'appelle Belzébul. Belzébul, ça veut dire le dieu des mouches. L'apôtre Pierre a dit, veillez et priez, car le diable rôde autour de vous pour essayer de vous dévorer. Dévorez vos ailes. Dévorez vos pattes, dévorez votre abdomen, dévorez vos yeux. Un type de Satan. Satan est astucieux, rusé. Il est très savant dans ses méthodes. Toutes les bêtes carnivores et nuisibles représentent Satan. Que ce soit le renard, que ce soit le lion, que ce soit le chacal, que ce soit l'ours, les ailes d'un insecte sont très importantes. Et la guêpe a tellement hâte de les supprimer, les sectionner, les détruire. Paul a dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Les projets du diable. Jésus lui-même, dévoilant Satan, va dire qu'il est un voleur et il ne vient que pour. Il n'a qu'un seul but, il n'a pas 20 buts. Il a une seule chose dans son visage. Dérober, égorger, détruire. Parlons des ailes. C'est facile à vous rappeler, parce qu'il y a un jeu de mots. Les ailes représentent notre zèle. Notre zèle, Z, E accent grave, L-E. C'est avec les ailes que tous les volatiles cherchent le soleil dès le matin et s'y exposent. C'est avec leurs ailes qu'ils cherchent leur nourriture, que vous voyez les petits oiseaux voltant ici et là, hein, qui font le va-et-vient entre le nid. Les libellules, les hirondelles, les martinets, les chauves-souris, même en Nouvelle-Calédonie, les roussettes, comme ils les appellent. Et c'est avec leurs ailes même que les abeilles visitent les fleurs pour le pollen. C'est avec les ailes
que les oiseaux, les insectes fuient leurs ennemis. C'est avec les ailes que les libellules, les papillons se transportent de lieu en lieu pour pondre sans arrêt leurs œufs. Les ailes représentent notre zèle. Et quand vos ailes sont sectionnées, votre zèle pour le Seigneur est fini. C'est un jeu de mots facile à se rappeler. La Bible dit de prendre à nos pieds les chaussures que donne le zèle de l'Évangile. La Bible dit « Ayez du zèle et non pas de la paresse ». Le diable va attaquer premièrement notre zèle pour le Seigneur. Jésus a dit, le zèle de ta maison me dévore. Je suis zélé pour la maison de Dieu. Mais si vos ailes sont sectionnées, vous n'aurez plus de zèle pour la maison de Dieu. Le moindre obstacle, oh, j'y vais pas. Satan cherche à vous enlever votre zèle. Alors nous devons rechercher le soleil de la justice. Avec zèle, soyez fervents d'esprit. La malédiction sur l'Église à la fin des temps, c'est la tiédeur. Et Jésus a dit que les tièdes seraient vomis, rejetés, dégurgité du cœur du Seigneur. Ce sont des gens qui ne sont pas froids, mais ce ne sont pas des gens qui sont bouillants. C'est juste tiède. Quand vous buvez votre café, un café tiède, préférez un café bouillant, moi aussi. Et Jésus préfère les chrétiens bouillants. Recherchons le soleil de justice parce qu'il y a la guérison dans ses rayons. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Donc, nous devons nous exposer au soleil de justice. Avec le même délice, avec le même soin, la même persévérance. Regardez le lépreux qui est venu s'exposer au rayon du Seigneur. Regardez le paralytique. Regardez tous les malades que l'on a voulu exposer au soleil de justice. Ils ont été guéris. Le Seigneur a bien dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire, je veux faire partie de la minorité. Beaucoup de chrétiens veulent faire partie d'une grande majorité. C'est un piège. Faire partie de la minorité fervente, zélée, bouillante. Et la guêpe diabolique n'a pas sectionné leurs ailes. Ils continuent à s'envoler vers le soleil de justice. Soyons continuellement en communion avec le Seigneur par la prière. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne suffit pas de dire « Je connais Jésus ». Un jour, un démon qui est à l'intérieur d'un homme à Éphèse a dit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Bing, bang, bam. Le démon les a quasiment mis tout nus. Les démons connaissent Jésus. Est-ce que nous sommes connus en enfer ? La Bible dit que c'est Zacharie, le père de Jean-Baptiste, alors qu'il a été rempli du Saint-Esprit, a dit « Le soleil levant nous a visités d'en haut. » Dans Chronique, il est dit « Cherchez continuellement la face de Dieu. » Jésus a dit « Il faut prier et ne pas se relâcher. » Ne pas se relâcher. Éphésiens 6 nous dit dans la description de l'armure du chrétien, faites-en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ça fait partie de l'armure, la vie de prière. Priez sans cesse,
offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Ayez du zèle, mes frères et mes sœurs, et non pas de la paresse. Nous vivons dans un monde de paresse, de négligence. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de gloire. Nous avons dans la parole de Dieu un passage qui nous décrit le travail des fourmis. Et la Bible utilise donc ces petits animaux pour, évidemment, nous donner une certaine leçon. Et dans Proverbes au chapitre 6, on lit ceci, au verset 6, Proverbes 6, 6, « Va vers la fourmi paresseuse. Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a pas de chef. Elle n'a pas d'inspecteur. Elle n'a pas de patron. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, un peu. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Notez ce que je vais vous dire. Les fourmis d'aujourd'hui seront les cigales de demain. Amen. Les fourmis d'aujourd'hui. Cherchons notre nourriture avec zèle, comme ces petits oiseaux du matin qui s'en vont dès le matin chercher leur nourriture. L'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mettons la même ardeur que ces petits animaux pour fouiller le plus petit verset dans la Bible, pour y découvrir une goutte de nectar. Vous connaissez ces gros papillons, les sphinx. Ils volent surtout quand le soleil est en train de se coucher, au crépuscule. Et ces gros papillons, ils ont une longue trompe. Ils enfoncent leur longue trompe dans les corolles des fleurs les plus profondes. Ils se tiennent devant chaque fleur. Et vous dites, comment ils tiennent? Vous ne voyez même pas leurs ailes, tellement leurs ailes vont vite. Ils sont là, devant la fleur, en train de tirer la substantifique moelle des corolles des fleurs. Alléluia. Ils sont comme suspendus par un fil invisible. Et ils battent de l'air si rapidement avec leurs petites ailes qu'on ne les voit presque plus. Ils ne peuvent se nourrir que portés par leurs ailes. C'est la foi qui va nous porter, nous élever à la hauteur des fleurs épanouies de la parole. C'est un champ de fleurs, de Genèse à Apocalypse, chapitre 22. C'est la foi qui va nous porter jusque dans le sanctuaire céleste, devant le trône de grâce. Nous avons un libre accès. Rappelons-nous à Laodicée, le Seigneur a dit, « Aie donc du zèle et repens-toi. » Dire à une église de se repentir, pas seulement une église. Sur les 7 églises de l'Apocalypse, il y en a 5 qui avaient besoin de se repentir. C'est une majorité. Une majorité. Et comme chrétiens, nous avons besoin aussi de nous repentir. Nous sommes à la fin. Ne perdez pas votre zèle, ni vos ailes. Ne les laissez pas sectionner par la guêpe diabolique. La foi, elle nous permet de découvrir dans le texte sacré
de plonger notre trompe à l'intérieur de la fleur appelée Bible pour retirer notre nourriture précieuse. Trouvons donc dans l'étude de la parole de Dieu notre nourriture quotidienne. La manne tombait tous les jours dans le désert. Tous les jours, ils devaient aller chercher leur nourriture. Lorsqu'on vient chercher notre nourriture, une fois par semaine, on a affaire à des squelettes. Une fois par semaine, seulement, ça ne fait pas des chrétiens très forts. Jérémie a dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Elles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Pourquoi avons-nous tant de chrétiens tristes qui ont les mêmes réactions que les païens? De peur, de crainte, si, ça, ça. Parce qu'ils ne sont pas nourris, c'est des squelettes. Ils ne sont pas forts dans le Seigneur. J'ai recueilli tes paroles. Et je les ai dévorés. Josué, que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Le devoir des rois d'Israël était de lire dans la Bible tous les jours. Tous les jours. Étudier la parole de Dieu. Faites comme les Béréens. Ils étudiaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Comment les chrétiens vont-ils savoir si ce qui est prêché en avant est exact s'ils ne connaissent pas leur Bible? C'est le point de check-up. Le point de check-up, ce n'est pas Internet. Ce n'est pas Silicon Valley. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Que la parole de Dieu habite, réside parmi vous abondamment. Abondamment. Et alors, qu'est-ce qui va arriver? Si c'est le cas, alors vous allez vouloir faire connaître autour de vous ce que le Seigneur vous a révélé, qui est merveilleux, qui est glorieux. Vous allez vous sentir utile. Il y aura un but dans votre vie maintenant. Vous allez porter du fruit. Le Père sera glorifié. Et aussi, évidemment, cherchons à repousser, à dépister, à débusquer nos ennemis avec le même zèle que les animaux. Qu'est-ce que dit la Bible? Regardez quelques verbes. Fuis les passions de la jeunesse. Résistez au diable. Combat le bon combat de la foi. Souffre avec moi comme un bon soldat. Combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes, pour vos maisons. C'est ce que Néhémie a dit. Je cours, dit Paul, vers le but. Il avait des ailes. Que devons-nous faire? Pondons des œufs avec ardeur. Comme font les petits insectes. Il y a des petits insectes, ils font juste ça, pondent des œufs, tout le temps, tout le temps. Les libellules, par exemple, ne se laissent jamais arrêter dans leur travail. Si elles sont dérangées à un endroit, toc, elles vont pondre et pondre et pondre et pondre encore, jusqu'à ce que leurs ailes soient complètement usées. Et vous en avez vu de ces libellules par terre, mortes. Vous regardez les ailes, elles sont quasiment toutes déchirées, tout ça, c'est fini. Mais jusqu'à la fin, elles ont pondu des œufs. Nous devons pondre des œufs. Nous devons laisser la parole de Dieu. Témoigner ici, témoigner là. Laisser la parole du Seigneur. Un tract ici, une parole à quelqu'un d'autre. Pondons pour le Seigneur. Les papillons pondent. Vous savez jusqu'à quel point? Les papillons sont capables de pondre jusqu'en captivité. Quand on les met dans un bocal,
de cyanure, voyez, ou d'éther, où on les a jetés, ils vont continuer à pendre jusqu'à leur mort. On a mis Paul dans un bocal, en prison. Il a pondu, encore là. Il a pondu la première épître à Timothée, la deuxième épître à Timothée, Philippiens. Il a pondu toutes sortes d'épîtres. Les œufs, c'est des graines. Les œufs vont perpétuer l'espèce de cet animal. La Bible dit que vis-à-vis de la parole de Dieu, un semeur sortit pour semer. Sortez, semez la parole. Vous dites, moi, il ne veut rien savoir, tout ça. Laisse faire, sème. Ce n'est pas nous qui sauvons, ce n'est pas toi qui sauves, ce n'est pas moi qui sauve. C'est un sauveur qui sauve. Nous, notre travail, c'est de pondre. C'est de semer la parole de Dieu. Répandons la parole de Dieu. Prêche la parole. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas. Ce n'est pas grave. On va continuer à prêcher l'Évangile. Aller par le monde entier. Prêcher l'Évangile. Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Courons avec persévérance. La guêpe attaque premièrement les ailes de sa victime et Satan attaque premièrement notre zèle. Un chrétien qui n'est pas zélé, le diable est juste content. Oui, viens à l'église, il n'y a pas de problème, assis-toi une fois par semaine. Mais non, une fois tous les 15 jours. Mais non, une fois par mois. Maintenant, écoute par Zoom, puis là, tu peux t'endormir, même sur, dans la cuisine, il y a un petit café, tout ça, puis il y a autre chose qui se passe, puis laisse tomber, on va fermer ça, puis ça. Ouais. Ah, très content. Un passereau, un petit oiseau, qui a une aile cassée, qui a une aile brisée, il va se traîner, il ne peut plus voler, il va se traîner, il va se cacher dans les buissons, vous en avez vu. Il peut presque même plus manger. Il est à la merci des chats. Il est à la merci des fouines. Il est à la merci de toutes sortes de petits animaux qui vont le manger. Et le diable, eh bien, il essaye de nous ravir, de nous voler notre zèle. Il sait que s'il réussit à gâter, à gâcher, à couper l'une de nos ailes, il n'y a plus rien à craindre pour son royaume. Il a gagné la partie. La personne n'est plus zélée. La personne ne fait plus aucun dégât dans le royaume des ténèbres et de l'occulte. Notre guêpe, une fois qu'elle a attaqué les ailes, elle va attaquer les pattes. Après les ailes, la guêpe s'en prend aux pattes de sa victime. À quoi servent les pattes, sinon à se tenir debout? Le petit insecte peut marcher sur ses pattes. La plupart des insectes ont 6 pattes. Chez les arachnides, ils ont 8 pattes. Chez les myriapodes, il y a un nombre parfois bien plus grand de pattes. Que représentent les pattes? Les vertus chrétiennes, les fruits du Saint-Esprit. Donc, couper les pattes. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Sans un modèle pour les fidèles, Timothée, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. On a 5 pattes, là. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Quand l'ennemi a réussi à couper notre zèle, alors il va essayer les pattes. Soudain, sans le moindre prétexte, on commence à manquer les réunions de prière.
je vais prier chez moi. Mais vous ne priez pas chez vous. C'est ça le problème. Vous le dites, mais vous ne le faites pas. Sous le moindre prétexte, quand les pattes sont coupées, on n'évangélise plus, on ne parle plus. On dit, non, ils ne sont pas destinés à la vie éternelle, eux. Ah ouais? Quand arrivent ensuite les dîmes et offrandes, oh ben là, je ne peux pas, puis tu es, puis là, c'est... Les ailes diminuent, les pattes s'en vont. Notre culte personnel, à nous, est négligé. Il coupe nos pattes. La joie du Seigneur, la patte de la joie, n'est plus là. La joie, c'est une jambe saine, vigoureuse, sur laquelle on peut s'appuyer, rester debout. Mais voilà que soudain, la guêpe diabolique a coupé, cisaillé, la patte de la joie. Et la joie s'éteint. Et quand la joie s'éteint, qu'est-ce qu'on devient ? Triste. Mais pasteur, je suis joyeux quand je viens en réunion. Tu es joyeux uniquement quand tu viens en réunion ? Comment que tu es quand tu es dans la rue ? Tu es plus joyeux ? Soudain, il y a un mécontentement. Ça va plus loin, ça peut aller à l'amertume. Et le diable dit, oui, tu as raison. T'as bien raison, t'es amer, putain, puis là, ils ont mal agi avec toi, putain, ils auraient dû, putain. L'amertume, ça peut être la jalousie. Oh, l'autre, on commence à se regarder, à se comparer. On ne regarde plus au trône de la grâce. Ça peut aller jusqu'à la révolte. Il y a des chrétiens qui peuvent bougonner, murmurer, se plaindre continuellement. Satan a coupé la patte de la joie. David, commettant adultère, ça a duré longtemps son histoire, plus d'un an. À la fin, il n'en pouvait plus. Il dit, je suis en train de dépérir, fais une dépression. Il dit, Seigneur, redonne-moi la joie de mon salut, je l'ai perdu. Est-ce que l'ennemi est en train de grignoter l'une de vos pattes? Un des points d'appui que Dieu vous avait donné. Rappelons-nous, la joie du Seigneur, c'est notre force. Paul en prison, même en prison, dans le bocal de cyanure, il pond des œufs et il est joyeux. Il va écrire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. J'estime que les souffrances du temps actuel n'ont aucune comparaison avec la gloire qui s'en vient. Aucune comparaison. La patte de la joie, la patte de la patience. Tchac ! Soudain, vous devenez impatient. Hein ? Auparavant, j'étais patient, mais là, tout d'un coup, tchac ! Au début, ça vous... Mais non, vous habituez après. Vous êtes énervé à la moindre contradiction. Soudain, vous avez des colères subites. Vous avez même des phrases amères qui sont tellement peu à la gloire de Dieu. La Bible dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Et la patte de l'amour. La patte de l'amour. Jésus est allé vers l'apôtre Pierre. Il lui a posé une question en deux mots. M'aimes-tu ? Ouais, je t'aime un peu, Seigneur. Non, c'est pas ça qu'il veut. Avant le mariage, votre fiancée, elle vous a posé la question. M'aimes-tu ? Est-ce que vous avez répondu, ouais, je t'aime un petit peu. C'est pas ça qu'elle voulait entendre. M'aimes-tu ? Aimez-vous les uns les autres. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que, voilà la raison, nous aimons les frères et les sœurs. Et la patte de la vérité. Soudain, vous voyez un vrai disciple du Seigneur Jésus qui est en train de passer sous votre nez. Il est rempli de feu, il est rempli de zèle, tout ça.
Et là, vous êtes comme dépourvu vous-même parce que vous n'êtes plus ailé, tout ça. Il vous pose deux ou trois questions qui... Vous êtes tout troublé, tout ça. Et au lieu d'avouer, au lieu de répondre de façon à laisser, je dirais, voir dans des arbres, oui, c'est vrai, il y a, ah, je ne suis pas tellement dans la vérité. Vous dites, non, non, ça, oh, bien, j'aime le Seigneur. On entend ça régulièrement, ça fait 50 ans que j'entends. Oui, il ne vient plus aux réunions, mais il aime le Seigneur. Voyez. Il est dans le monde, mais il aime le Seigneur. Il sert le diable, il mange à la table du diable depuis des années, mais il aime le Seigneur. Ah oui? Croyez jamais ça. Ne croyez jamais ça. La patte de la vérité. Le diable est capable de grignoter. Grignoter, grignoter. Toutes les pattes. Et de fil en aiguille, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous descendons. Nous descendons. Nous descendons. Voyez. On descend quoi? On descend la pente. On n'est plus en train de monter vers le Seigneur. On descend. Samson descendit vers Timna. Et vous savez ce qui est arrivé avec Samson? Jonas est descendu vers le port. Ensuite, il est descendu plus bas, dans la cale du navire. Et il est descendu encore plus bas, au fond de la mer. Descente, 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 descente. Un petit joint. Oh, c'est... pas de problème avec un joint. Mais le drogué est là. Et ça fait 40 ans qu'il est drogué. Il n'a pas l'intention d'en sortir. Le diable a grignoté. Grignoté. Salomon est descendu. Il est descendu. De fil en aiguille, nous branchons sur un point et ensuite, évidemment, nous sommes pris par un autre. Et nous ne savons pas comment réagir. Vers quoi? On est découragé. La Bible dit, examinez-vous vous-même. Le diable grignote, la guêpe diabolique. Elle veut manger, sectionner toutes les pattes. Et la patte de la foi. Les gens ensuite disent qu'ils ont la foi, mais on ne voit jamais aucune foi qui est démontrée. La foi, ça se démontre. La foi est une démonstration. Amen. Hébreux 11, verset 1er. Sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Des masses a été grignotées par la guêpe diabolique. Il a abandonné. Il a trouvé que c'était trop long. Il a trouvé qu'il y avait trop de difficultés. Et le monde était si beau, le monde était si gentil. Mais les païens, ils sont bien mieux que les chrétiens. Vous avez entendu ça? Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Hyménée et Alexandre ont fait naufrage par rapport à la foi. Mais la guêpe continue. La guêpe a coupé les ailes, a coupé les pattes. Et maintenant, elle s'attaque à la tête de la mouche. Elle va manger les yeux. La personne ne voit plus rien. La personne devient aveugle. Ce chrétien, supposément, devient totalement aveugle. Celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. La guêpe attaque les yeux. La guêpe va attaquer le goût, la bouche. Il n'y a plus le goût. Plus le goût pour lire la Bible, tout ça. Venir aux réunions d'études, tout ça. Je connais ça, ouais. Le retour de Jésus. Le diable a attaqué à manger la bouche, à manger les yeux. Ces chrétiens ne voient plus rien. Alors que Christ est à la porte, sur le point d'arriver. Notre vision est voilée sur la victoire de Christ. On est voilé sur notre propre état, on ne se voit plus soi-même. Et les gens ne voient même plus qu'ils sont destinés à l'enfer. Vous n'avez jamais connu ouvrier d'iniquité, va dire le Seigneur. Ça, c'est la pire affaire qui va arriver. Des gens qui vont croire aller au ciel et seront destinés vers l'enfer éternel.
aveugle. Satan ne t'aime pas, Satan ne m'aime pas, Satan est féroce. Tu as un ennemi, ce n'est pas un ennemi gentil, tranquille. Ah non, 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 non. Notre cerveau est absorbé par 36 choses. Plus de place pour Jésus. Juste le dimanche matin. Et pas à 10h30, non, on peut arriver 20 minutes après. Demi-heure. Nous ne portons plus des fruits. On est stérile. On ne pond plus. Donc on ne peut pas s'attendre, évidemment, à avoir des résultats. On est désespéré. L'envie de témoigner disparaît. Que dire aux autres ? Qu'en soi-même, on est triste, on est déçu, on est désespéré. L'ennemi va dévorer notre abdomen spirituel, portant des œufs. Ces précieux germes de la semence de la parole de Dieu pour perpétuer l'espèce chrétienne. Tout sarment qui est en moi, dit Jésus, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, il le jette au feu. Et comme on ne porte plus de fruits, qu'est-ce qui arrive ? Comme la mouche est emportée vers le guêpier, par la guêpe, sans aucune résistance, nous sommes livrés, abandonnés à notre ennemi. On ne réagit même plus. C'est terrible. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'espérance que nous avions au départ. Pourvu que. Jésus dit, je n'effacerai pas son nom du livre de la vie à celui qui vaincra. Paul dit, je tiens mon corps assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, évangélisé les autres, je ne sois moi-même disqualifié, rejeté. Ah non, mais nous on se pense incompris, on pense qu'on est malheureux, incapable, donc on est excusable. Eh bien non, on n'est pas excusable devant Dieu. La guêpe a-t-elle fait des ravages dans votre vie ? Peut-être vous vous reconnaissez aujourd'hui dans ce tableau. Impossible de recoller, de réparer les ailes d'un insecte. Impossible. Vous-même, vous avez essayé ? Vous pouvez pas. Et vous êtes très découragé. Ici-bas, il n'y a aucun remède, aucune philosophie, aucune volonté humaine pour vous redonner le zèle perdu. Vous avez essayé par votre propre volonté. Vous avez essayé d'imiter les autres. Vous avez essayé même d'obéir à Dieu, mais par des moyens humains. Ce n'est plus par le Saint-Esprit. Alors c'est un zèle amer, stérile, d'aucune valeur aux yeux de Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. C'est lui dont on a besoin. Mais, bonne nouvelle, ce qui est impossible aux hommes est possible avec le Seigneur. Il est le réparateur des brèches. Hallelujah. Il peut rendre, redonner les années que les sauterelles et les guêpes diaboliques ont dévorées. Je vous remplacerai les années dévorées par le Gélec. Revenons à lui, face à terre. Revenons à lui, genoux à terre, au pied de la croix. Repentons-nous, humilions-nous, confessons nos interdits, nos désobéissances, notre péché, notre sommeil, notre tiédeur, nos faux raisonnements, notre impureté, notre jalousie, notre lâcheté dans le témoignage. Chaque année, Dieu fait pousser des ailes sur des millions de volatiles, d'insectes, d'oiseaux. Et les ailes merveilleuses sont couvertes de plumes délicates. Et ces ailes peuvent porter les condors, les grands aigles, jusqu'à 7000 mètres d'altitude.
les ailes, des matinées par exemple, leur permettent même de dormir tout en volant. Pfiou. Notre Dieu est tout puissant. Il donne le repos pendant la marche. Ne limitons pas le sein de Dieu. Tout est possible. Prions, supplions Dieu. Appuyons-nous sur ses promesses. Obéissons. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous sommes devant toi. Bénis, mais en même temps humiliés par ta parole. Et nous voulons, Seigneur, confesser. Nous voulons reconnaître. Nous voulons avouer que nous avons besoin continuellement de toi. Nous ne pouvons pas laisser les choses aller. Nous ne pouvons pas, Seigneur, nous laisser descendre par le courant. Nous ne voulons pas descendre à Timna. Nous ne voulons pas descendre à Jaffo. Nous ne voulons pas descendre à Jéricho. Nous voulons rester avec toi. Nous voulons te demander ta grâce, ta puissance. Dans ces dernières heures de l'humanité balbutiante, nous désirons te servir plus que jamais avec nos ailes, avec nos pattes, avec notre abdomen, avec nos yeux. Alléluia. Nous désirons te servir, Seigneur. Nous ne voulons pas avoir les yeux crevés, mais nous voulons au contraire bien discerner ce qui se passe, premièrement dans nos vies. Seigneur, bénis abondamment ton peuple, tes enfants que tu as rachetés par ta grâce et aide-nous à être zélés. Aide-nous à nous exposer au soleil de la justice. Merci Père, dans le nom puissant du Sauveur Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit, amen, amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.